En manchette aujourd'hui, souper tournant des chambres de commerce de la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 28 avril. On débute en vous parlant d'une activité qui a eu lieu hier soir. Ça s'est déroulé dans les locaux de ULM à Saint-Cuthbert. Donc, à la seigneurie de l'entreprise récréo-touristique de Saint-Cuthbert. Cette activité, c'était ce qu'on appelle un souper tournant. C'était organisé par la Chambre de commerce Berthier-Dautré, la Chambre de commerce de Brandon et le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie. Au moins une centaine de personnes ont assisté à cet événement. Ça se déroule de façon un peu particulière, mais c'est fait de façon... c'est organisé pour que les gens puissent échanger tout au long du souper avec le maximum de personnes. Donc, vous êtes assis à une première table au début pour l'entrée. Par la suite, tout le monde change de place et vous êtes avec de nouveaux convives pour le repas principal. Et on rechange de table pour la dernière partie de la soirée lors du dessert. Donc, vous avez la chance de parler de votre entreprise ou d'entendre parler de l'entreprise des autres par un maximum de gens. C'est toujours une activité fort populaire. Ça s'est déroulé, évidemment, dans une ambiance joyeuse et détendue. Les gens, je pense, étaient heureux de se retrouver là. Donc, ça faisait longtemps là, qu'il n'y avait pas eu ce genre d'activité sur le territoire. Il y avait également plusieurs élus des municipalités de Berthier et Brandon et Lavaltrie, donc des représentants de plusieurs municipalités, dont le maire de Berthierville, Dominique Perrault, qui était sur place. Il y avait aussi le maire de Lavaltrie. Il y avait évidemment des représentants de Brandon, de Mandeville, etc. Donc, les élus municipaux étaient bien représentés. Évidemment, il y avait énormément de gens d'affaires. Différents sujets ont été abordés lors de chaque partie de l'activité. Il y a été question de pénurie de main-d'œuvre dans la première partie. Il y a été question des taux d'intérêt dans l'immobilier lorsqu'on était rendu au plat principal. Et il y a aussi été question d'écologie et plus précisément de l'importance des marchés de proximité à la partie dessert. Voici un court extrait de cette soirée fort intéressante. Le marché Brandon est une initiative de développement durable. On est en plus un incubateur d'initiatives durables parce qu'en plus de la diminution des distances de transport, des pratiques éco-responsables, de culture et d'élevage, et de la réduction du gaspillage alimentaire, bien, on incite nos fournisseurs à reprendre leurs contenants puis à réduire l'usage plastique. Le marché Brandon aussi fait des grands efforts pour utiliser ces contenants. On a une récupération assez inusitée au marché Brandon. Savez-vous pourquoi on récupère les pelures d'oignons jaunes? Oh, non. Non. Personne ne sait ça? Non. OK, bon. Il n'y a on pas dans la salle qui savent ça. On fait quoi? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une artisane de Saint-Damien qui fabrique une teinture jaune, une teinture végétale, pour colorer la laine des moutons québécois. Différentes personnalités d'affaires, donc des trois pôles de la MRC d'Autré, ont ainsi pris la parole lors de cette activité. On passe maintenant au niveau scolaire. Les étudiants et les étudiantes du Cégep de Joliette vous invitent au salon Cégep en affaires. Salon qui se tiendra à la galerie, aux galeries de Joliette, donc au centre d'achat, le 5 mai prochain. C'est l'occasion pour eux de mettre en pratique ce qu'ils apprennent depuis 2 ans. Notre journaliste, Myriam Guéril, a rencontré 2 de ses étudiants afin de leur demander, de leur poser quelques questions sur l'organisation de ce salon. On les écoute.
Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous en parler? C'est quoi le salon de... Oui. Dans le fond, on a un cours commun, les deux branches de la technique. C'est le cours gestion de projet commercial, qu'on a le jeudi, on est deux groupes. Et on organise un événement qui est le salon Cégep en affaires. Ça va avoir lieu le 5 mai prochain aux Galeries Joliette. Et dans le fond, on est en équipe de 3 ou 4 étudiants. Puis chaque équipe représente un magasin des galeries. Et le but, c'est de faire la promotion du magasin. Donc, autant niveau, on vend pas directement dans les kiosques, mais il faut augmenter le trafic dans le magasin. Donc, on fait un peu de la publicité gratuitement pour les magasins qu'on a choisis. Et nous, dans le fond, on est l'équipe organisatrice. Dans le fond, nous, on s'occupe du marketing, de publiciser, dans le fond, le plus possible l'événement. Puis, dans le fond, les autres équipes, eux, ce qu'ils font, en gros, ils choisissent un commerce de Galerie de Joliette, puis ils s'affilient ensemble, ils font comme un partenariat. Puis, dans le fond, ils font un kiosque pour amener plus de clients dans leur entreprise. OK. Donc, c'est un petit peu comme mettre en pratique qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, en fait. Oui. Et vous voulez comme partager ça avec les autres de la population et leur faire un peu aussi en profiter de vos connaissances. Oui, exactement. Tout à fait. Il s'agit d'un événement gratuit, ouvert à tous. Il y aura de nombreux prix de présence, un tirage, des choses à gagner. Et on organisera aussi un rallye pour inciter les participants à faire au moins 6 magasins sur 12, donc un petit rallye magasinage. Et bref, ça deviendra une belle expérience, on en est sûr. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur les pages Facebook de cet événement. On rappelle que c'est organisé par les étudiants et étudiantes du Cégep de Joliette. On passe maintenant du monde scolaire au monde politique. On reparle d'Amélie Drainville de l'Île-du-Port depuis la semaine dernière. Amélie Drainville est candidate pour Québec solidaire dans le comté de Berthier. Elle a été élue, et Amélie, l'an dernier, personnalité de l'année par le journal L'Action d'Autré. Gagnante du prix Porteuse d'espoir du Jour de la Terre en 2020. Et depuis de nombreuses années, Amélie Drainville est aussi porte-parole et coordonnatrice donc de Québec solidaire Berthier. Elle complète présentement une maîtrise en études de politique appliquée s'intéressant aux politiques agricoles québécoises. L'équipe de CTRB a décidé de vous faire un petit portrait de cette figure montante au niveau politique dans le paysage politique, donc, de Berthierville, de la région du comté de Berthier. On regarde cet extrait. C'est sûr qu'on a, on a compris que l'écologie, c'est une part très, très, très importante pour toi. Ouais. Surtout qu'on voit qu'il y a de plus en plus de réchauffement climatique et ouais. De dégâts. Qu'est-ce que toi, tu penses apporter déjà à Berthier et au Québec en général, puis au monde, hein, on vise très loin. Bien, c'est sûr que c'est bien quand même que tu mentionnes le monde, parce que, je veux dire, le Québec a sa part à faire pour régler ces défis-là qui sont mondiaux. Puis vraiment, on peut, à notre échelle, avoir un impact. Puis c'est pour ça un peu que j'ai choisi la scène provinciale aussi, parce que, bon, je suis une souverainiste, fait que c'est provincial maintenant, mais ce sera peut-être un pays un jour. Puis je pense que je vais avoir plus d'impact là qu'au municipal, mettons. Je ne dis pas que je ne vais pas essayer d'y retourner un jour. Là. J'avais fait campagne récemment, mais le provincial, c'est ça que ça apporte, c'est que ça peut avoir un grand effet. Nous, ici, dans Berthier, ce que je souhaite faire au niveau de l'environnement, c'est essentiellement 3 choses principales. La première chose, c'est qu'on s'engage à Québec solidaire de protéger 30 % de notre territoire d'ici 2030. Présentement, on est à 17 % si mes chiffres sont bons. Et c'est un 17 % qu'on est allé chercher à la dernière minute parce que François Legault n'avait pas atteint sa cible, puis il est allé placer des aires protégées dans le nord, alors qu'on sait très bien que le nord, évidemment, c'est désert. Il n'y a pas grand monde qui habite là. Il y a beaucoup d'espace naturel, fait que c'est facile d'aller faire de la protection du territoire là-bas. Nous, on s'engage à ce que toute la variété des écosystèmes au Québec, on a 30 % de protégés. Et justement, donc, ici dans le sud aussi.
Je suis maintenant en compagnie avec Myriam, qui a rencontré Amélie Drainville. Je pense que vous n'avez pas juste parlé là, d'écologie, tout ça. Oui. Ce que souhaite Mme Drainville dans le mandat qu'elle aimerait réaliser si elle est élue aux prochaines élections, là, je pense qu'il y a d'autres choses qui lui tiennent à cœur ou qu'elle voudrait travailler, là, d'autres sujets. Oui, c'est exact, Alain. Alors, c'est vrai que la priorité de Québec solidaire, c'est de protéger l'environnement, mais ils ont évoqué trois points, en fait, dans cette entrevue. C'est l'agriculture de proximité, de la développer. On pensera, par exemple, au marché Brandon, comme on l'a vu aussi dans l'extrait. Et aussi, développer le transport. Ils reprochaient à la CAQ, le gouvernement actuel, de vouloir électrifier les transports, mais ils disaient qu'il fallait faire un mix des deux, c'est-à-dire électrifier les transports personnels, oui, mais surtout développer, en fait, les transports en commun et que pour eux, ce serait vraiment quelque chose d'assez important. Et en plus de ça, pour inciter les gens à prendre un transport en commun, ce serait de développer une gratuité de transport, donc 50% de la gratuité environ pour les gens. On a aussi parlé de l'inflation, puisque comme on le sait tous, c'est quelque chose qui touche beaucoup notre société, sûrement, surtout actuellement. Et ce serait encore de prioriser le marché de proximité. Mais aussi, on a évoqué le point culminant de cette pandémie, c'est les soins de la santé, en fait. Donc, on a vu qu'il manquait beaucoup de personnel de santé et au lieu de diriger les gens directement à l'urgence, ce serait de diriger les gens vers un CHSLC afin de, d'arrêter d'engorger du coup l'urgence, puis d'engager plus de gens dans la santé et de créer des équipes multidisciplinaires et aussi de développer la santé mentale. Elle a aussi terminé l'entrevue en parlant des aînés, que c'est vraiment une priorité pour elle, qu'au lieu qu'ils aillent dans des RPA, par exemple, ce serait qu'ils puissent rester chez eux et que des infirmières ou des infirmiers puissent les accompagner et avec des équipes multidisciplinaires. C'est ça, plus, globalement. Plus de soins à domicile, oui, c'est ça. Moment-là. On reviendra sûrement sur les sujets qu'Amélie Drainville tient à pousser lors de la prochaine campagne électorale, parce qu'on peut dire que déjà, la résidente de l'Île-du-Port, elle, est en campagne électorale. Je pense que c'est débuté. Ça ne l'attendra pas dans les derniers milles. Non. C'est déjà commencé de son côté. Je te remercie, Myriam, pour ces précisions. Merci à toi, Alain. Merci bien. Après la pause, nous parlerons d'un film de Geneviève Albert. À tantôt. On l'écoute au retour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 28 avril, plusieurs anniversaires à souligner. La FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Jean-Paul Campagna. Même chose pour le Centre d'action bénévole d'Autry, qui lui souhaite aussi bonne fête. Donc, la FADOC souhaite également un heureux anniversaire à Achille Lambert, à Marc Gélina, à Claude Guévremont et à Jacqueline Rochelot. L'âge d'or de l'Île-Saint-Ignace souhaite bonne fête à Francine Latour. Et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Dolores Lambert. Le Centre d'action bénévole d'Autry souhaite bonne fête en ce 28 avril à Gisèle Voisard.
Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, CTRB, toute l'équipe là, de CTRB, se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit notre information, on l'a dit tantôt avant la pause, on va parler de cinéma. Donc, pour les cinéphiles, vous allez être servis cette semaine. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir Noémie dit oui, un film réalisé par Geneviève Albert. Il s'agit de Noémie, 15 ans, qui vit dans un centre jeunesse depuis 3 ans. Lorsqu'elle perd tout espoir d'être reprise par sa mère, Noémie fugue en quête de sens et de liberté. Elle va rejoindre son amie Léa, une ancienne du centre, qui l'introduit dans une bande de délinquants. Bientôt, elle y rencontre Zach, qui lui propose rapidement d'être escorte le temps d'un week-end. Voilà qui complique les choses. Et voici un extrait de ce film à découvrir. Salut, c'est Edith. Bon, ben. Maman? Maman? Tu peux rappeler tout de suite, s'il te plaît? Oui. Vite! Ça fait 4 fois, là. Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde te cherche. Hey! Zach, t'es où? Ça, c'est Noé. Ça va? Zach m'a demandé de faire esco pendant la F1. Ça veut dire qu'on peut work ensemble? Ben non, j'ai pas dit oui. Dis oui. C'est juste du cul, là, Noé. Mais je suis pas une pute. Si vous aimez ce genre de film, peut-être serez-vous heureux de rencontrer l'équipe qui a tourné ce film et des acteurs donc, qui ont joué dans le film. Vous pourrez donc, si ça vous intéresse, vous rendre au cinéma Le Tapis Rouge à Trois-Rivières le 28 avril à 19h ou si vous voulez aller du coin de Montréal au cinéma Beaubien dans la métropole le 29 avril à 18h30. Sur ce, allons à la pause. Domicile paisiblement le 19 avril à l'âge de 67 ans est décédée Mme Céline Doucet, épouse de Michel Chevrette, demeurant à Saint-Norbert, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Véronique Chevrette, Mounir Zeroual, Marie-Ève Chevrette, Benoît Gignac-Ouellet, Evelyne Chevrette, Anthony Boissonneau, son petit-fils Camille Zeroual, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Yvon Doucet, Lise Richard, Suzanne Doucet, feu Marc Fernet, Régent Doucet, Louise Paquet, Sylvie Doucet, Pauline Chevrette, Nicole Chevrette, Raymond Bertrand, Marcel Chevrette, Maryse Bergeron, France Chevrette, Solange Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 30 avril dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier.
Madame Céline Doucet sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Son domicile, 11 avril. À l'âge de 76 ans, est décédé M. Guy Nadeau, époux de Françoise Mondard, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, François Nadeau, Victoria Santander, Éric Nadeau, Marie-Ève Tremblay, ses petits-enfants, Elijah et Ophélie Nadeau, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Ginette Valois, feu Yvon Nadeau, Claudette Nadeau, feu André Veillette, Paul-Émile Mondard, Gisèle Mondard, Solange Boucher, feu Marcel Mondard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 30 avril dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Guy Nadeau sera inhumé au cimetière de Berthierville. Centre hospitalier Pierre Legardeur, le 12 avril à 73 ans, est décédé. Mme Monique Champagne, épouse de François Barrette, demeurant Repatigny et native de Berthierville. Lui a précédé son frère Benoît. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petits-enfants Rosalie et Clara, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Denis Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Normand Harvey, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Depaty, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, ses tantes Marguerite Lessard, Thérèse Manègre, feu Jean Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 1er mai dès 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à 15h. Madame Monique Champagne-Barrette sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Paisiblement, entouré de l'amour de ses proches le 21 avril, à l'aube de ses 98 ans, est décédé M. Jacques Dumontier, époux de Mme Réjeanne Perrault, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Mario Dumontier, Carole Arsenault, André Dumontier, Gilles Sylvestre, ses petits-enfants, Gabriel, Pamela, Guillaume et Maude, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Rosalie, Lina et Ophélie, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Claude Dumontier, Félise Lavallée, Georgette Dumontier, Rita Bourgeot, Georgette Perrault, Mario Perrault, André Perrault, Lucie Rabouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le jeudi 5 mai de 19h à 21h et vendredi 6 mai de 9h30 à 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h à la chapelle du complexe. Au CHDL Le Château de Berthierville, le 23 avril, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Laforêt, épouse de feu Octave Saint-Martin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Edmond Saint-Martin, Imelda Chevalier, Cyprien Saint-Martin, Thérèse Préville, Fabrice Saint-Martin, Shirley Murphy, ses petits-enfants, Jolène Saint-Martin, feu Rénal de Courchêne, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier-Chaussée-Simard, Pierre Saint-Martin, Hugues Saint-Martin, Mélanie Saint-Martin, Gérard Joinville Junior, Catherine Saint-Martin, Alfred Bergeron, ses arrière-petits-enfants, Alice Jean-Sémuel, Oscar Anthony Matisse, Angélique, Victor, Blanche et Agathe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier la direction et le personnel du CHSLD Le Château de Berthierville pour les très bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi le 7 mai, dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à la chapelle du complexe à 11h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola. À son domicile, le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthe, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille,
Mélanie Barthe, Jean Houd, sa petite-fille, Joëlle Houd, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs, et beaux-frères. Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georges Barthe, feu Agathe Drainville, sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 13h en l'église de Saint-Ignace, suivront les funérailles à 14h. Madame Bergeron-Barthe sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD d'Easy, le 7 avril, à 93 ans, est décédée Madame Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants. Alain, Carole Turenne, Micheline, Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs. Feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy, Réjeanne Héroux, feu Réjean Turcotte, Réjean Héroux, Francine Roque, Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 15 mai dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, où une liturgie sera célébrée à la chapelle du complexe le même jour à 15h. Sur ce, passons à la météo. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous avez bien profité de votre journée ensoleillée. Ce soir, nous aurons des températures à 5 degrés pour un ressenti à 1 degré. Nous aurons quelques passages nuageux. Dans la soirée, ça va un petit peu plus se rafraîchir. Nous aurons des températures à 0 degré pour un ressenti à moins 6. Mais demain matin, nous serons chanceux et aurons encore un peu de soleil, pour ne pas dire beaucoup de soleil. Mais par contre, nous aurons des températures à 2 degrés pour un ressenti à moins 3 degrés. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle fin de soirée. Voilà, c'était votre bulletin d'information. Aujourd'hui, 27 avril, votre bulletin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.